C'est un beau petit jardin, n'est-ce pas? Je n'y ai jamais rencontré personne. Mais il est toujours bien entretenu. Sans doute par une sorcière. Qui d'autre s'occuperait d'un jardin dans les bois? Dommage que cette sorcière ne fasse pas pousser de belladone. Tu as entendu? Nous ferions mieux de continuer, d'accord? Bonjour Thérèse. Thérèse, attends, par ici. Nous y sommes presque. Nous longerons cette route-ci avant de retourner dans les bois. On y est. Je vais commencer à cueillir pendant que tu montes la garde. Mais qu'est-ce que je dois faire si le loup arrive vraiment? Tu as un arc, n'est-ce pas? Ne réfléchis pas, tire-lui dessus. En plus, tu as Magnan. Même si... je ne suis pas sûre qu'il fasse le poids contre un loup. Je ne devrais pas t'aider à cueillir? Non, je vais me débrouiller. Je préférerais que tu restes à l'affût du loup. Tu en as pour longtemps? Ce sera bref, ne t'en fais pas. Mais tant que j'y suis, j'aimerais en cueillir assez pour en avoir un bout de temps. Monte la garde, je te dirai quand j'aurai fini. D'accord, je vais monter la garde, mais fais vite. Je suis contente de m'être souvenue de cet endroit. Il semblerait que personne d'autre ne le connaisse.
Je pensais que cette histoire de loup n'était qu'une rumeur. Une rumeur, en effet. Si j'avais été seule, cette bête m'aurait sûrement dévorée. Il t'est arrivé quelque chose ? Non, je vais bien. Dieu merci. C'est une bonne chose que tu sois venue avec moi. Tu as réussi à cueillir assez de plantes ? Oui, heureusement. J'ai de quoi préparer mon alcool. Assez pour t'en donner, d'ailleurs. En récompense. D'accord, merci. C'était quand même un drôle de loup, tu ne trouves pas ? Je dirais que c'était un chien sauvage. Loup ou chien ? Quelle bête monstrueuse ! Henri ne va jamais le croire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais retourner travailler à la taverne. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Merci de m'avoir accompagnée, Tess. Et n'oublie pas de venir me voir demain. D'accord. Que Dieu vous accompagne, Thérèse. Pourquoi vous insistez ? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Je me tue à vous le répéter. Je ne sais rien de cette histoire d'argent. Je suis meunier et je m'occupe que de farine. Si quelqu'un vole de l'argent dans les mines, pourquoi n'iriez-vous pas en parler au maître des monnaies ? Eh bien, nous l'avons fait. C'est lui qui a déclaré le vol. Notre travail consiste à interroger tous les voisins pour savoir s'ils ont vu quoi que ce soit de suspect. Alors je vous souhaite bonne chance. Parce qu'au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, tout le monde vit près des mines. Ouais, mais certains sont plus proches que d'autres, et il y a aussi le fait que... Comment dire ? On t'interroge parce que... t'es meunier, pas vrai ? Ah, je vois. Et puisque je suis meunier, je dois être malhonnête, c'est ça ? Non, mais tu sais ce qu'on dit. Ouais. Et on raconte que vous n'êtes même pas capable de trouver votre propre cul, alors un bandit... Les gars, vous me dérangez pendant mon travail. Donc si vous en avez fini, merci, je ne vous retiens pas. Très bien, meunier. Si jamais tu entends quoi que ce soit, dis-le nous. Bon sang. Je suis allée chercher les clous, mais le forgeron est avec le seigneur Radzig aujourd'hui. Très bien, on verra ça demain alors. Ce n'est pas urgent. Pour le moment, j'ai besoin que tu fasses vite quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ?
Les gardes interrogent le voisinage. Ils disent que quelqu'un a volé du minerai d'argent dans les mines. Pourrais-tu aller avertir Stibor ? Il est allé relever les pièges à poissons sous le pont. Pourquoi ? Qu'est-ce que Stibor a à voir avec le minerai d'argent volé ? Bon, écoute, va simplement lui dire, d'accord ? Mais papa, je te le demande. Ne me dis pas que tu ne fais pas confiance à ta propre fille. Pour l'amour de Dieu, Thérèse, je te demande d'aller avertir... Attention, vous marchez. Papa m'a envoyé. Les gardes étaient sur place et enquêtaient sur le minerai d'argent disparu de la mine. Oh merde. Oh merde. Bon, très bien. Tess, écoute. J'ai besoin de ton aide. Dis-moi juste de quoi tu as besoin. Nous devons récupérer un sac qui se trouve dans une des galeries. J'imagine qu'on ne parle pas d'un sac de farine, là. C'est du minerai d'argent. Doux Jésus. Vous ne pouviez pas comprendre ça quand vous êtes né. Mais la famille, c'est sacré. Merci, Tess. Je suis désolé de t'embarquer là-dedans, mais je n'y arriverai pas tout seul. Où l'as-tu caché ? C'est tout le problème. Il est au fond d'une galerie inondée. Samuel y travaillait autrefois. Quoi ? Tu as entraîné Samuel là-dedans ? Non, non, Samuel ne sait rien. Alors pourquoi tu ne vas pas tout simplement le récupérer ? Je ne sais pas comment y aller. Pour l'amour du ciel, Stibor ! Tu sais où c'est ou pas ? Oui, mais tu vois, ils m'ont arrêté quand je sortais. Je me tenais sur cette passerelle en bois et je l'ai lâché par-dessus le bord pour qu'ils ne m'attrapent pas avec. Et maintenant, je ne sais pas comment aller le récupérer. Tout ce que je sais, c'est que j'ai entendu le bruit de l'eau quand il est tombé. Et comment sommes-nous censés le récupérer ? On va nager dans la mine ? Non, j'ai une idée. Samuel connaît la zone et il saura comment atteindre la galerie. Oh non, Stibor, n'y pense même pas. Tu ne vas pas entraîner Samuel dans tes combines. Bon Dieu, non, tu me prends pour qui ? Il n'aura qu'à simplement dessiner un plan, et nous ferons le reste. Très bien, Stibor. Je vais aller voir Samuel et lui demanderai le plan. Est-ce que tu as quelque chose avec laquelle il pourrait dessiner ? Tiens, donne-lui ça. Et essaie d'obtenir le plan sans lui dire pourquoi nous en avons besoin. Sinon, papa aura une crise s'il l'apprend. Je ferai ce que je peux. Où se trouve Sam en ce moment ? Où penses-tu qu'il soit ? Je l'ai vu partir en direction de l'étang au lieu d'aller travailler, comme d'habitude. Une fois que tu l'as, viens me retrouver sur la coursive de Venceslas sur la colline. Je t'y attendrai. Thérèse ! Salutations. Est-ce que quel... Bien évidemment. Je vais commencer par vous. Vous allez devoir tirer 7, 13 ou 21 flèches selon l'adversaire que vous affronterez. Vous marquerez un... La manche se termine quand tout le monde... La coutume veut qu'on... D'accord, ça me paraît assez clair. Une dernière chose. Ne partez pas tant que la compétition est en cours. Compris. Vous êtes bon avec un arc entre les mains ? Je... Excellent. Et moi je...
Archer, le concours est terminé. Très bien. Tenez-vous prêts et tirez. Comment ça va, Thérèse ? La dernière flèche vient d'être tirée. C'est terminé. Que Dieu vous accompagne. Pourquoi n'es-tu pas au travail ? On m'a donné congé. Congé ? Comment ça ? Je me suis pris un coup de pioche sur le pied. Sainte Mère de Dieu ! Est-ce que ça va ? Oui, je vais bien. C'était juste une ruse. J'avais besoin d'une pause. Sam, vraiment ! Un jour, tu finiras par te blesser, et alors personne ne te croira. Alors, sa mort ? Pas pour l'instant, mais il reste du temps avant que le soleil se couche. Sam, j'ai besoin d'une faveur. Oh, Tess, je m'apprêtais à pêcher. Ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Tu te souviens de cette galerie dans laquelle tu travaillais avant qu'elle ne soit inondée ? Ouais, elle était profonde. Nous sommes descendus un matin et nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. Maître Feffard dit que ça arrive tout le temps lorsqu'on creuse plus profond que la galerie de drainage. Nous avons creusé un puits pour ralentir la montée des eaux, mais cela n'a pas suffi. Penses-tu pouvoir me faire un plan indiquant comment s'y rendre ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu voudrais en faire ? Il va falloir que tu me fasses confiance, Sam. C'est très important. C'est un problème familial. J'aurais dû me douter que ce serait encore une de ces histoires de meunier. Et après, on s'étonne de la façon dont les gens parlent de nous. Donne-moi ça, je vais te la dessiner, ta carte. Et je ne veux surtout rien savoir de plus. Merci, je vais aller le trouver tout de suite. Tu as vu Samuel ? Samuel me l'a dessiné. Et maintenant ? Parfait. D'abord, on doit entrer dans la mine. Il y a quelqu'un.
C'est ce crétin de Nemoy. Il vaut mieux se séparer. Je m'occupe de lui et toi, tu te faufiles à l'intérieur. Très bien. Finissons-en. Une fois que je me suis occupé de lui, passe par les buissons et rentre dans la mine. Et prends une torche avec toi. On n'y voit pas à 2 mètres là-dedans. Fais juste attention à ce que personne ne la repère. Bonne chance, Tess. Hé, hey, vous n'avez rien à faire ici. Déguerpissez. Qu'est-ce que vous faites ici? Hé, hey, Nemoy, sacré gredin. Viens par ici une minute. Qu'est-ce que tu veux, petit meunier? Encore à chercher ton maladroit de frère? Hé, hey, vous, qu'est-ce que vous faites là? Foutez le camp avant que je perde mon calme. Besoin de quelque chose? C'est la bière. Ça ne te prend pas de me dandiner comme un bouffon. Ah, mais l'intérêt, c'est pas de se dandiner. Ce sont les filles. Quand tu fais tournoyer une fille, tu peux sentir ce qu'elle pense. Ouais, sauf si un type décide de te balancer son coude dans le nez, mon cochon. Tu te souviens du fils du forgeron, Henri, quand le boucher a fait danser sa Bianca? Ouais, croyez-moi, mal. Seigneur, c'est haut. Il va falloir faire attention.
Oh, elle est sacrément froide. Ce doit être l'endroit dont parlait Stibor. Alors, où est cette passerelle en bois ? Je n'aimerais pas me perdre ici. La passerelle. Le sac doit être ici, quelque part. Si je vais plus loin, c'est la noyade assurée.
Qu'est-ce que ça peut bien être? J'y vais. Ne bougez pas! Lâchez les armes! Vous avez commis un acte criminel et vous êtes en état... Suffit. Tu sais très bien où t'as le droit d'aller et où c'est interdit. Tu vas voir ce que tu vas voir. Soit tu paies une amende, soit on va voir ton père et il s'en occupera lui-même. N'imagine pas que la loi s'applique pas à toi. Je suis désolé. Un peu trop. Il y a le compte, mais il est plein d'argent. Non, non, ce n'est pas ce que... Silence! Tu as commis un... Tu vas le payer. Qu'est-ce que vous foutez là? Tirez-vous! Vous allez avoir affaire à moi. Qu'est-ce que c'était? Et la prochaine fois, tu regretteras d'être venu au monde. J'ai récupéré l'argent. Et maintenant? Merci, mon Dieu. C'est un soulagement, tu n'as pas idée. Je savais que tu y arriverais. Tu veux bien l'apporter à papa pour moi? J'ai retrouvé l'argent dans les mines. Pas si fort! Ah, beau travail, ma fille. Dépose-le ici, je m'occupe du reste. Et merci. J'aimerais pouvoir dire que c'était avec plaisir, papa. Mais ce serait mentir. Ça aurait pu très très mal finir. Pour tout le monde. Tess? Tu sais que je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour vous tous, pas vrai? Je sais, papa... Je sais que tu pensais bien faire. Juste, faites attention, Stibor et toi, d'accord? Ne t'inquiète pas, Tess. On sera prudent. Merci. Qu'en est-il de la surprise que tu m'as promise ce matin? Bien, je ne vais pas faire durer le mystère plus longtemps. De plus, tu mérites de le savoir.
après nous avoir aidés avec ce minerai d'argent. Donc, je t'ai fait faire une robe à ratée. C'est vraiment une très belle robe, tu verras. Tu seras la plus jolie fille du village. Une nouvelle robe ? Papa, je ne comprends pas. Pourquoi ? Eh bien, tu sais, tu n'es plus une petite fille. Tu es une jeune femme à présent, adulte et intelligente. Plus intelligente que moi, c'est certain. Tu ne veux certainement pas vivre toute ta vie au moulin. Samuel est capable de se débrouiller seul et, après tout ce qui est arrivé, tu ne veux sûrement pas avoir le genre de vie que Stibor et moi avons. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Pourquoi m'as-tu acheté cette robe ? Écoute, Thérèse, tu es en âge de te marier. Et il est temps que nous fassions quelque chose. Que dis-tu ? Je ne comprends pas. Je ne veux pas me marier. Ah, ma petite fille. Le mariage est un don de Dieu. Oui, mais je n'ai pas de prétendant. Ah, mais si. Et un très bon, crois-moi. Quoi ? Tu as offert ma main à quelqu'un ? Et qui est-ce ? Ne t'inquiète pas. C'est un homme bien. Il est gentil. Il est presque de noble lignée. Et il est riche. Il s'occupera bien de toi. Il va y avoir une fête à la taverne ce soir. Le seigneur Radzig nous a autorisé à embrocher un porc et... Qui est-ce ? Tu pourrais lui parler, danser avec lui et... Qui sait, tu pourrais même l'apprécier. Vas-tu enfin me dire qui c'est ? C'est Tobias, l'ingénieur. Tobias Fefar ? Oui, lui-même. Eh bien, maître Fefar est un homme bien, papa. Il est sûrement riche, mais il n'est pas de prime jeunesse. Pour être tout à fait honnête, le mariage ne m'est jamais venu à l'esprit. Écoute, on peut toujours en discuter, mais j'ai déjà pris ma décision. Tu dois penser à ton avenir, Thérèse. Maître Fefar est un homme respecté, et ce respect échoit à sa femme et ses enfants. Ses enfants ? Pour l'amour du ciel, ma fille, ne sois pas si naïve. Dieu t'a fait telle qu'elle pour fonder une famille, à moins que tu ne préfères le couvent. Va à la taverne ce soir et laisse Maître Fefar dépenser un bon paquet de gros chênes. Tu verras, tu vas bien t'amuser. Bon, montre-moi cette robe alors. Elle est dans le coffre sous la fenêtre. Une fois que tu auras fini toutes tes corvées, tu pourras t'habiller et y aller. Très bien, Thérèse. Il est temps de grandir. Mets cette belle robe et va rencontrer le futur marié. Bon, cela ne sert à rien de faire traîner les choses. Papa va me botter les fesses pour ne pas être allé au bal. Ah.
Et puis, je ferais mieux d'aller le voir et d'en subir les conséquences. Nous avons eu des ennuis avec les gardes. Quoi? Ils sont à nos trousses? Non, non. Nous avons pu tout cacher avant. Petit, par ici. Allez les poules, gavez-vous. Le chef vous transmet ses avis. Adieu. Regarde ce que j'ai pour tu vas adorer. Mère de Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? À ton avis, on m'a attaqué, voilà, par Henri, ce fils de chien. Dieu du ciel, des gamins. Tu es bien amoché. Et fais quelque chose, je saigne. Montre-moi ça. J'ai de quoi faire un bandage. Eh ben vas-y alors. Arrête d'être aussi insolent. Et pourquoi vous vous battiez d'abord? Cette bande de vauriens jetait du purin sur la maison du Germain. Et quand Hans leur a crié d'arrêter, ils nous ont attaqués. Des fumiers. Du purin, hein? C'est donc ça ton nouveau parfum. Ha ha! Très drôle. Mais je les retrouverai. Tu peux en être sûr. Miséricorde. Vous les garçons, vous n'êtes jamais contents à moins de vous battre. Maintenant, va te reposer un peu au moulin. Tu ne feras pas grand-chose dans cet état. Au revoir. Où étais-tu passé hier? Maître Feffard était là. Il a dit qu'il t'avait attendu toute la soirée et que tu n'es jamais venu. Pardon, papa. Lorsque j'ai vu que tout le monde était là, Henri avec Bianca, Jeanne et Mathias, et Feffard qui m'attendait... Tu as préféré t'étaler et tu l'as laissé planter là, c'est ça? Je suis désolée, papa. Ah, tu n'en as toujours fait qu'à ta tête, comme ta mère. Je ne suis pas fâché, Tess. Mais tôt ou tard, tu te marieras. Et tu peux être sûr que je ne donnerai pas ta main au premier venu. Je sais, papa. Mais la prochaine fois, tu pourrais au moins me demander ce que j'en pense. C'est juste, ma fille. La prochaine fois, je t'en parlerai. Mais seulement si tu es raisonnable et que tu y vas aujourd'hui. Le bal continue aujourd'hui. Et Maître Feffard y sera. C'est lui qui paie tout, tu sais. Mais restons-en là pour l'instant. Nous avons du travail. Veux-tu bien aller chercher les clous chez le forgeron? Il a dû les faire depuis le temps. Et cette clôture ne va pas se monter toute seule. Très bien, papa. Je vais y aller.
splendide. Splendide, en effet. Que Dieu te bénisse. Mon père m'envoie chercher des clous. Bien le bonjour, Thérèse. Ils sont prêts. Tu vas aller me les chercher, Al ? Ils se trouvent dans le coffre du salon. Et ces clous, Henri ? Tiens. Merci. Comment va Bianca ? Elle va bien. Pourquoi cette question ? Non, comme ça. Tu vas assister au bal ce soir ? J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute avec Spichek et le Germain. Légère. Désolé. Les choses ont dégénéré. Pas besoin de t'excuser. J'espère que cet imbécile a eu ce qu'il méritait. Je ne le supporte pas. Je pensais que comme il travaillait au moulin également... Bien au contraire. C'est un porc. Bref, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Ah, oh, cette épée est vraiment magnifique. Oh, červená se jablíčko, zahrát se nám zdálo. Můj milej nic nevidí, na něj že se smálo. Ztratilo se jablíčko v travičce vysoké. Můj milej ho nenajde, bude ho mít jinej. Rozběhlo se jablíčko ze stráně u řeky. Můj milej ho nechytí, uplave na věky. Papa, qu'est-ce que vous avez fait, bande de... Ah ! Salaud ! Spichek, ils sont partout. Quoi ? Ils massacrent tout le monde. Quoi ? Spichek, merde. Il faut que... Merde ! Lâchez-moi ! Non ! Non ! Ne me touchez pas ! Laissez-moi tranquille, bande de salauds ! Je vous en prie, arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Arrêtez ! Pitié ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Non ! Au fond, ça me doit faire valer de votre volant, Mihaïd Yachab ! Fuck God ! Thank you.
vivre. Samuel, oh mon Dieu, j'espère qu'il est en sécurité. Je dois le trouver. Ça lâche. T'as un tes chutes. Dégasté. Professoras, responde! Nincs csak, mi bújt itt el?
Jagetchi. Kiran. Tu respires encore? Espèce de sale merde. Gaïlada! Je t'ai dit de crever, bordel! Thérèse! Dieu merci, tu t'en es sortie. Et ton père, et Stibor? Ah. Vous avez vu Samuel? Ouais, il est à l'intérieur. Mais écoute, Thérèse. Ils l'ont salement tailladé, tu sais. On va te conduire à lui. C'est pas sûr par ici. Fritz, va dire aux autres qu'on partira bientôt, dès le coucher du soleil. On devrait barricader le passage derrière nous, au cas où ces salauds essaieraient de nous suivre. Très bien, occupe-toi de ça. Thérèse, Samuel est allongé là-bas. Mais avant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à Samuel? Je sais pas, j'étais pas là quand ça s'est produit. Et il était sûrement ici, dans la mine, quand les coups sont arrivés. Il a de la chance de s'en être tiré en vie. Ouais, on ne peut pas en dire autant du reste. Combien de survivants sont avec vous? Une dizaine ou un peu plus. On s'est réfugiés dans les mines quand les coups ont attaqué. On attend juste le bon moment pour s'échapper. Et après, que comptez-vous faire? On attendra la tombée de la nuit et on se faufilera dehors. Avec un peu de chance, ces ordures seront trop occupées à piller la ville pour nous remarquer. Mais où voulez-vous qu'on aille? Pas encore décidé, ça. Sûrement à Thalmberg. Ravna, c'est de l'histoire ancienne, maintenant. Y a rien d'autre dans les parages, de toute façon. Et si jamais ces fumiers s'en prennent aussi à Thalmberg? À mon avis, on devrait plutôt aller à Sasso. Sasso, c'est pas la porte à côté, Fritz. Mais si on n'a pas le choix, on verra. Merci, je vais aller voir mon frère. Ne partez pas sans nous. Samuel, tu es vivant! Quand je t'ai vu allongé par terre comme ça, immobile, je pensais que... Thérèse! Aide-moi! Je t'en prie! J'ai mal! J'ai mal, c'est atroce! Où est-ce que tu as mal? Partout! J'agonise, Thérèse! Oui, Sam. Thérèse! Je veux pas mourir. Oh, Sam, tu ne vas pas mourir. Je ne le permettrai pas. Je suis là, près de toi. Comment as-tu reçu cette blessure? Ces païens nous ont barré le chemin. Dans la galerie, avant qu'on ait pu voir quoi que ce soit. Ils étaient déjà à l'intérieur. C'était ignoble. On n'y voyait rien du tout, et il fallait qu'on passe. L'un d'entre eux m'a attaqué. Je ne l'ai même pas vu venir. Il faisait si noir. Les cris et les hurlements. Ça ira, Sam. Tout va bien à présent. Tu t'en es sorti. Ouais. Ces ordures s'intéressaient plus à l'argent. Montre-moi ta blessure. Là, c'est grave.
pas vrai. C'est une sacrée blessure, mais les bandages t'ont sauvé la vie. Ça ne saigne plus. C'est un bon signe. Ouais. Je saignais comme un goret, Thérèse. Ma tête... J'ai la tête qui tourne. Ne t'en fais pas et tâche de te reposer. Dès qu'on sera sorti d'ici, je t'emmènerai voir un médecin. Papa et Stibor, où sont-ils ? Oh, Sam, je suis désolée. Ils les ont tués. Ils les ont tués tous les deux. J'étais là et moi aussi, ils auraient pu m'avoir. Il ne reste que nous deux, alors. Papa et Stibor, je sais qu'ils jouaient parfois les imbéciles, ou pire encore. Mais Dieu les pardonnera, pas vrai ? Oui, Sam. Dieu verra dans leur cœur qu'ils étaient de bons hommes. Ils sont avec maman maintenant. Avec maman ? Oui. Écoute-moi, Samuel. Il faut qu'on sorte d'ici. Il fera bientôt nuit et ce sera sûrement notre dernière chance. Je suis pas sûr de pouvoir. Mais tu as raison. Si ma blessure ne saigne plus, alors allons-y. Thérèse. Oui. Merci. Pourquoi ? Tu t'es toujours occupée de moi quand j'étais petit. Et écoute, Thérèse, si je ne m'en sors pas, tu dois me promettre de te sauver. Et... Tu te tais tout de suite, Samuel. Allez, lève-toi. Les autres nous attendent à l'entrée de la mine. Allez, viens, je vais t'aider. Par où veux-tu aller ? Nous allons tenter de passer par Rovna. On dirait qu'ils sont moins nombreux dans cette direction. Mais Thérèse, et Samuel alors ? Samuel ? Il va venir avec nous, évidemment. Thérèse, il tient à peine debout. Il a perdu beaucoup de sang. Qu'est-ce que t'essaies de dire ? Il est coriace, il faut l'avouer. Mais nous devons nous déplacer rapidement, et Samuel nous ralentirait. Mathieu, tu ne t'attends quand même pas à ce que je l'abandonne ici ? C'est à toi de décider, Thérèse. Je fais que résumer les faits. Même s'il était capable de nous accompagner, je doute qu'il survive au voyage. Je suis navré. Alors vous partez, et je reste ici. Vous pourrez m'envoyer de l'aide depuis Thalmberg. T'es sûre de toi, Thérèse ? Tu ferais mieux de venir avec nous. Je ne peux pas abandonner Sam, Mathieu. Je n'ai plus que lui. Je le soignerai et on attendra jusqu'au matin. Allez tous à Thalmberg et dites-leur ce qu'il s'est passé. Le seigneur Divich est un bon ami du seigneur Hadzig. Il fera de son mieux pour vous aider. Je vois que t'es déterminé à pas changer d'avis. Il reste plusieurs torches dans la mine. Et tu devrais pouvoir trouver assez d'eau pour nettoyer les blessures de Sam. Oublie pas de changer ses bandages. Merci, Mathieu. Thérèse, si... Puisse le Seigneur veiller sur toi. Mathieu. Je t'enverrai de l'aide dès que nous serons arrivés à Thalmberg. Sois prudente.